J'aurais dû deviner qu'Astrid vous enverrait. Qu'est-ce qui m'a trahi? Ouais. Il faut reconnaître que ce petit bouffon manie bien le couteau à beurre. Mais ne vous en faites pas, je lui ai rendu chaque coup. À l'intérieur, il a franchi cette porte. À première vue, c'est un vieux sanctuaire. Je l'aurais bien suivi, mais je ne connais pas le mot de passe. Très bien, vous m'avez convaincu. Je doute que je vous aurais été d'une grande utilité de toute façon. Ce petit coquet m'a entaillé bien profondément. Mais je l'ai bien tailladé. Je pense lui avoir tranché une artère. J'ignore ce que vous trouverez là-bas, mais il vous suffira sans doute de suivre les traînées de sang. Thank you.
Oreille Noire, c'est vous. Je savais que vous viendriez. Le meilleur rival pour le meilleur guerrier. Astrid savait que son imbécile de loup ne pourrait pas assassiner le futé Cicéron. Ah, ça pique. Je ne reste qu'un défendu. J'ai toujours été pointilleux. Vous êtes désolé. Ça pique. Pointilleux. Oh, je suis mort de rire. Oh, mais ce n'est pas du tout ce que Mère voudrait. Vous tuez le gardien ou je tue le rêve noir. C'est insensé. Il fait froid. Vous allez adorer. Pas vraiment une partie originale du sanctuaire. Appelons ça un rajout forcé. Forcé par quoi? Venez voir. Vous êtes toujours en vie? Cicéron respecte bien entendu les aptitudes de l'oreille noire. Mais pourriez-vous au moins ralentir un peu? Je ne suis plutôt jeune. Hein? Et Cicéron l'admet, il pensait que l'oreille noire serait morte à l'heure qu'il est. Et si nous oublions tout ça? Hein? Donc, c'est passé. Voilà tout. Qu'en dites-vous? D'accord! Cicéron a attaqué cette tordure d'Astrid! Est-ce vraiment surprenant face à l'humiliation et la calomnie de sa mère? L'oreille noire comprend, j'en suis sûr! Si ça peut vous rassurer, je me sens un peu mal pour Vizara! Ce stupide lézard sévit sur mon chien! Mais dites-moi que cette chienne s'est vidée de son sang! Je me rends. Oh, j'adore. Me tuer serait grave erreur. Oh, que oui. Oseriez-vous contrarier notre mère? Car c'est égal passer votre chemin, épargner Cicéron. Dites à Astrid que c'est fait. Vous avez poignardé, étranglé et noyé Cicéron. Un mensonge de rien du tout. Je m'en remets à vous. Cicéron ne peut plus se battre. Les autres. Accomplir